bien. Voilà, le Ditanier, l'exécution de notre hymne national ainsi que celui de l'Afrique du Sud. Les deux équipes vont se saluer. Nous sommes en sport. Il faut rappeler que le commissaire du match est mauritanien, M. Mohamed Abdat. Le délégué burkinabé, c'est M. Sylvain Lankwandé. Les arbitres sont béninois, Brice Higué ou Higue, on ne sait pas. Joël, lui, du Bénin, et puis Horus Atoyo, du Bénin également. Le quatrième officiel, c'est M. Albert Sanon, du Burkina. On va être tout à fait complet. Sur le plan sécuritaire, ce volet est confié à M. Adama Ouedraogo. Et puis le responsable de la santé, c'est Gilbert Compaoré. Voilà donc pour le décor de ce match. Maintenant, on verra côté jardin ce que ça va donner. Mamadi Wena. Oui, on espère beaucoup de ces étalons cadets qui avaient réussi d'abord le plus difficile en première période en Afrique du Sud en marquant 2 buts. Mais malheureusement, les étalons en seconde période n'ont pas retrouvé les ressources nécessaires pour empêcher la formation sud-africaine d'égaliser. Et ce qui est même arrivé a été très difficile à supporter par ces jeunes enfants parce qu'ils ont pris 4 buts en l'espace d'une mi-temps. Seront-ils capables de remonter la pente cet après-midi ici au stade du 4 août? L'écart de 2 buts qui reste, c'est pas impossible à surmonter. C'est tout à fait possible en football, surtout au niveau des petites catégories. Mais il faudrait pour cela que nos jeunes cadets oublient le match aller et se disent que la qualification se joue à Ouagadougou, c'est un autre match. Il faut le jouer à fond. Et s'ils arrivent vraiment à oublier le match aller, je crois qu'ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'il leur faut marquer 2 buts et ne pas encaisser. Voilà, il ne faut pas encaisser. Même si on encaisse, il faudra marquer, marquer et encore marquer. Et avoir cette différence de 2 buts qui pourra nous qualifier. Et le public est là, pas assez nombreux, mais bon, ils sont là quand même, ces supporters qui vont essayer de pousser la sélection burkinabé jusqu'au bout de la victoire. C'est ce qu'on attend d'eux, rien de moins. En tout cas, ont-ils les moyens? C'est à eux de nous le dire. C'est la vérité du terrain qui va parler ce soir. Cette équipe avait bien démarré, mais a facilement sombré. Et il y en a qui ont accusé un peu l'altitude en Afrique du Sud. Est-ce vraiment ça? Question. En tout cas, l'entraîneur, Rui Vira, lui parlait plutôt
d'un problème nerveux des joueurs. Dans tous les cas, c'est des supputations. On attend de voir ici ce que ça va donner. Oui, Richard Yamero, cela est déjà arrivé à nos petites catégories. C'était les étalons cadets pour aller à la CAN des cadets en Gambie. Ils avaient été battus 2-0 au Burundi. Et là, c'était le match de tour à Ouaga. Les Burkinabés avaient marqué très tôt. Et les Burundais avaient réussi le plus difficile d'égaliser. Et au finish, la formation Burkinabé l'avait emporté sur le score de 5-1. Là, il y avait eu un grand Alain Traoré ce jour-là. Cet après-midi, on a son petit frère Isidore Bertrand Traoré. Est-ce qu'il va pouvoir arrêter ce que son grand frère a fait alors que c'est parti ici au stade du 4 août pour cette rencontre retour des éliminatoires de la CAN des cadets. Alors que là, ce n'est pas faute. L'arbitre qui l'a joué, les Sud-Africains, qui ont le contrôle de la balle avec le 3. Donc, c'était le 3 Ino Mokesi, les Sud-Africains, qui, à mon avis, vont essayer d'abord d'attendre cette équipe burkinabé qui est obligée d'attaquer à fond parce que là, il y a 2 buts à remonter. Alors que, attention, les Sud-Africains qui tergiversent, finalement, Mokesi Gino arrive à se dégager. Espérons que les Burkinabés pourront mettre vraiment une pression forte d'emblée, d'entrée du moins, afin de faire douter cette formation sud-africaine. Oui, c'est là justement que le problème se pose. Il faut que les étalons attaquent, comme vous le dites. Et cette entrée en jeu et ce coup de tête qui ne donne rien, le coup de tête de 17 Sirima Diloa. Donc 0-0, les Sud-Africains vont forcément contrôler, ils vont essayer de ne pas encaisser au cours de cette première partie de jeu. Et il faut aussi que les Burkinabés, de leur côté, se mettent dans la tête qu'il faut absolument marquer, et peut-être même dans le premier quart d'heure. Je pense que la surprise de l'Afrique du Sud est passée, marquée à moins d'une minute du début de la partie. Ce soir, l'Afrique du Sud qui s'organise. Il fallait essayer de rattraper ce ballon. Monsieur Ouedraogo Faisal, la remise en jeu, c'est pour les Sud-Africains. Ça avance à coup de remise en jeu. Attention. Le centre, pied gauche, ballon récupéré par la défense. Mais malheureusement, l'exploitation n'est pas tout à fait bonne, pas comme on le souhaitait. Il ne faut pas, Wina, que les cadets prennent un tout petit peu la pression de cette rencontre sur les épaules. Si c'est le cas, ça va être vraiment difficile de voir le jeu se dérider. Duel aérien, les Burkinabés, ballon perdu. Et c'est ça tout notre problème. Conserver le ballon, faire 3 passes d'affilée sans perdre le ballon. C'est là toute la difficulté de cette équipe du Burkina. Alors qu'en face, on a une formation au jeu bien huilée de l'Afrique du Sud. Je vois que le scénario idéal pour les étalons cadets, ce sera de marquer très tôt pour mettre plus de pression dans le camp sud-africain. Mais on connaît ce sud-africain qui avait éliminé les cadets namibiens au tour passé. Une équipe qui était allée gagner en Namibie sur le score de 4-0, si je ne me trompe pas. C'était sur un score large, en tout cas. Donc, ça montre que c'est une formation qui va tenter le hold-up en cherchant à marquer rapidement. Vous voyez, ils sont déjà passent déjà à l'offensive. Donc, les cadets burkinabés doivent faire très, très attention. Chercher à marquer vite, c'est vrai, mais il ne faut pas encaisser un but qui va compliquer la tâche. Alors que ce sont les Burkinabés qui vont repartir avec Ismaïla Zougrana,
pour le moment un tout petit peu de soucis côté burkinabé à stabiliser la balle, à faire circuler la balle, alors qu'il faut, pour prendre la défaut, cette formation sud-africaine qui, à mon avis, va beaucoup se regrouper dans ses bases arrière, il faut faire circuler la balle. Si, en dégageant les ballons à l'emporte-pièce, je ne crois pas que ça sera la solution. Donc là, je crois que la remise en jeu est toujours sud-africaine. Voilà, c'est jusque-là la possession du ball, c'est des Sud-Africains. Ils arrivent à gérer et c'est ça justement que nous devrions essayer de contrecarrer. Alors que bon, il y a cette faute peut-être qui va nous permettre de relancer assez proprement. Mais est-ce qu'on peut véritablement, bon, on va voir. Moi, j'ai déjà vu les Sud-Africains jouer. Je vous laisse le soin de découvrir, on va commenter ensemble et on le fait du reste. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ouais, je crois que c'est une tâche quand même difficile, mais pas impossible, comme je l'ai dit, pour les talons carrés. Parce que, contrairement au Burkinabé, par exemple, les Sud-Africains, je crois que là-bas, au moins, il y a un championnat des petites catégories où les jeunes ont l'habitude de jouer, pas ensemble, mais d'avoir de la compétition, d'être en jambes. Alors que chez nous, on se contente des matchs amicaux. Les matchs amicaux ne remplacent pas la compétition. Vous voyez, quand vous êtes même en club, si on vous dit de gagner un match, l'enjeu est différent qu'un match amical. Bon, mais c'est vrai que ça n'a pas empêché le Burkina de participer à plusieurs reprises aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations catégorie cadette. Mais je crois qu'il faut revoir la copie parce qu'on ne pourra pas continuer à ce jeu-là. On a vu, je crois que c'était en 2003 où on avait été éliminé par les Sierra Leoneens. Donc il faut faire attention, il faut travailler, on l'a dit, la formation à la base aussi. Ce n'est pas créer des centres de formation seulement, mais il faut un championnat qui puisse donner la compétition à ces jeunes, alors que ce sont les Sud-Africains qui vont repartir. Attention, je crois qu'il y a une faute. Faute burkinabé. Pour le moment, je crois que ce sont les Sud-Africains qui sont bien rentrés dans le match. Ils font circuler bien la balle, alors qu'ils ont déjà une avance de 2-0. Donc attention, côté burkinabé, à ne pas encaisser un but. Alors que là, c'est sans problème pour la défense burkinabé qui tergiverse. On n'arrive pas à se dégager les Sud-Africains. Avec le 8 Radebe, qui nous rappelle Lucas Radebe, ce défenseur de qualité, de talent côté sud-africain, qui c'était la génération qui avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations 96, organisée par le sud-africain. Et alors que ça repart, attention à ne pas se faire lever, alors que c'est le bourreau, vous voyez. Entrée. Attention. Vous avez vu la fin de frappe de Tembou Chabani. Je crois que la défense des étalons cadets doit faire vraiment, vraiment attention à ce feu follet. Il faut faire attention alors que malgré cette